Et quand la nuit est finie, le jour vint. Dites-moi, quand il fit jour. Quand il fit jour, il eut une... Il eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Quand le combat devient surnaturel, le royaume des ténèbres se pose une question. Qu'est donc devenu Pierre? Je t'annonce et je suis venu pour ça ce matin pour te dire que le royaume des ténèbres va se questionner à ton sujet. Ils vont te regarder et ils vont dire, mais où est Pierre? Où est Hans? Où est Ligie? Où est Eric? Ils sont où? Où est Sandra? Ils sont où? On avait mis 4 escouades de 4 soldats, mais il est volatilisé. Je t'annonce quand le combat devient surnaturel, quand le royaume des ténèbres se pose des questions à ton sujet. On te cherche. Hérode le fit chercher, mais on ne le trouvera pas. Je t'annonce que le temps viendra où on te cherchera, on ne te trouvera pas. Les sorciers chercheront dans l'esprit, ils ne te trouveront pas. Les marabouts te chercheront, ils ne te trouveront pas. Hein? Les francs-maçons te chercheront, ils ne te trouveront pas. On te cherchera, on ne te trouvera nulle part. Parce que tout simplement, le sang de Jésus, dis avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'aura fait disparaître tout simplement. Quand le combat devient surnaturel, le royaume des ténèbres s'agite. À l'heure où je suis en train de prêcher, ils sont en train de s'agiter. Ils sont en train de dire, mais le pasteur Luc Ognas a mangé quoi aujourd'hui? Le pasteur Luc Ognas a mangé le surnaturel. Alléluia. Et il est venu vous dire que soyez agités. Parce que le temps vient où Dieu s'apprête à faire des ravages dans nos vies. Alléluia.